Attention, des interruptions de service perturbent le trafic sur la ligne Harlem. Comment c'est trop cool! Attendez! Cool, merci. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin? Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas, un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau, au cas où. Le convoi. Dernier retourné au raft. Ouais, enfin... Le raft est super moche, mais il est sûr. Du moment que leurs problèmes d'octopodes sont bien réglés. Espérons. Je suis plus très loin. À tout de suite. Faut prévenir maman que je suis en retard. Miles, qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as fait les cours? Salut maman. Ouais, Hey, il y avait plus de lettres de à la bodega. Je vais dans une boutique du centre. Oh, merci. Mais évite Midtown. Mon voie de prisonnier bloque complètement la circulation. Oh, ouais, bonne idée. À ce soir au dîner. Bisous. Ouah, comment il fait, Pete, avec son identité secrète? Ça, c'est un stress pas possible. Ok, du calme. Du calme. Tu vas aider Spider-Man à protéger un convoi géant de prisonniers. Tu peux y arriver. Inspiration, expiration. Du calme. Pete ? T'es là ? Ouais, je fais le plein de carburant. Comment t'arrives à boire ? On sent très attention. Ok, en voiture. X2 en route avec cargaison lourde. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du raft l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens complices de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture, ou peut-être Scorpion. Ou peut-être... Comme plus gros. Ok, là, on a un problème. Non, Vice, laisse-moi. Je m'en occupe, Pete, t'inquiète. Vice, non. C'est sécurisé. Dérivé, Elite 2. Vice. Le poids est mal réparti. Corrigez vers 2-3, Pete. Le manche ne répond plus. On va se crasher.
avancé. Aucune victime. Cargaison compromise. Équipe d'intervention déployée. Accrochez-vous, Elix 2. Vite. Je suis désolé, je voulais pas. C'est pas grave, on gère. Faut juste l'empêcher de s'ouvrir avant. Avant que ça n'arrive. Salut, les petites araignées. Exécrable menace. Ah, pour ça. C'est une affligeante, consternante. Ça vous va à ravir, ce monsieur. C'est bon comme menace. Ça. Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Carré. Ah, hijo, donde está? Il est déjà tard. Allô, maman? Ouais. Le lait de coco. Je cherche, mais je ne trouve pas. C'est chaos, t'as pas idée. Qu'est-ce qu'il y a, Chico?
Désolé, j'essaie de choper un métro. Mais arrête, c'est pas sérieux. Prends une brique et rentre vite. C'est ma. Je t'ai dans mon job. Moi aussi, je t'aime. Maintenant ou jamais, Mike. Faut l'arrêter. Ok, j'arrive. On doit l'immobiliser, et vite. Ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça. Oh, pas bon! Pas bon du tout! Pete! Est-ce que ça va? Non! Ça va! Je m'occupe de lui! On vient vers toi! Tiens-toi prêt! Ok. Ouais. Il faut pas... Un peu de temps. Conseil pour la police. Laissez tomber les lance-roquettes pour escorter les prisonniers. Ou peut-être, laissez tomber les lance-roquettes tout court. Ça commence à être tendu ici. La police et les prisonniers se tirent dessus. Reste pour filer un coup de main à la police. Laisse pas tenir. Encore un peu. Pete compte sur moi. Je vais arrêter ce type. Je crois que j'aurais pu le faire. Parti de cache-cache.
tâche. Non. Non. Je déteste jouer à cache-cache. T'es vivant ? Plus ou moins. Messieurs ? Waouh, c'était... Waouh ! Simon Krieger, directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement, désolé, je crois que notre ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terrasser Rhino, en solo. Tira loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrive. Oh, le devoir m'appelle. Hey, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Laissons la police faire son boulot. Ouais. Ouais, ok. La bioélectricité ? Waouh ! Moi, je vais pas te mentir. Je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince. Ouais, désolé. Je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça ? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh ! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné ! Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hé, j'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein ? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux ton serment ? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi ? Que c'était de l'impro ? À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Je suis le seul Spider-Man de New York. Il faudra pas se planter. The city late at night hit a pinnacle. Shining on a mirror that alone put those on the game. They know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you, man, and see you, see your eyes. Oh, let me catch a live or wasting time to solve. Hey, Donkey! Mec! J'hallucine! Rhino! Ouais! T'es où? T'as pu entrer dans l'appartement? Ouais, ta mère m'a laissé entrer. J'ai défait slash vidé mon sac à l'arrache chez toi. Je suis sorti prendre l'herbe dans le parc, là. Nickel ! Passe un peu à l'amphithéâtre ! J'ai un truc à te montrer. C'est un truc genre speeder truc ? Oh ! Dis-moi que t'as chopé un pouce à corne de Rhino ! J'ai vu des photos du combat, un truc de malade ! Ha ! C'est complètement un truc de super-héros ! C'est bien mieux que la corne ! Ah ! Le suspense est intenable ! J'y suis ! J'en reviens toujours pas que tu puisses faire ça. Hé, hey, attends, regarde.
Un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Essaie-le. Je te couvre. Quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un se changer à Central Park? Alors? C'est comment? Wow! Miles Morales! Félicitations et bienvenue dans ta première super tenue. Et c'est qu'une moitié du cadeau. C'est quoi l'autre moitié? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Bienvenue dans État de fait, en compagnie de votre pourfendeur de mensonges préféré, J. Jonah Jameson. Quoi? Pete programme ses flux pour se connecter à l'émission de Jameson? Il est maso. Triste nouvelle, chers auditeurs. Mon spectacle de charité de Noël a été annulé pour cause de bouffonnerie de justicier en costume. Il y a sûrement mieux à écouter. Ah, on m'en a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Dani Gara et vous écoutez le DaniCast, où je dresse le portrait des gens qui rendent notre ville meilleure. Le sujet du jour? Oh, on pourrait parler des traders, des packs à but lucratif, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable raclée infligée à Rhino par deux Spider-Man. Je m'abonne, le DaniCast, mon nouveau podcast préféré.